Y a pas de timer, je crois. Ah si, si, il y en avait un. Bah je l'ai raté, c'est pas grave. Bah, du coup, bonjour, épisode 2. Je pensais que ça allait être un peu plus voyant, du coup, je l'ai juste pas vu. Ah ok. Donc y a bien la nuit, en fait. Donc c'est bon. On va juste attendre que la fin du fer cuise, là. On va partir. Je vais juste prendre un peu de stone. J'espère qu'en fait ça va pas trop me poser de problème ce lag. Ah, quoique là il va en avoir beaucoup moins déjà. Coup c'est cool. Ok, allez c'est parti. Non, pas encore, allez. De toute façon, oui, j'ai des bugs graphiques là. C'est chelou ça. Après, si vous avez vu à droite, j'avais genre le vide. De toute façon, dans ce RR, je vais être totalement honnête avec vous, je pense que j'ai aucune chance. Oh putain, Green, il a pris cher aussi, Bite Excel. Je pense que j'ai absolument aucune chance de faire ne serait-ce qu'un kill. À moins de vraiment tomber sur, bah, sur soit Boy, soit Green, ou quelqu'un qui a plus beaucoup de vie en tout cas. Mais je pense que ça va être vraiment très très chaud. J'aimerais avoir un arc, donc on va sortir. Tire. J'ai entendu un squelette déjà. Ah, une araignée. Bon, je suis prêt à parer. Hop, viens là, toi. Normalement, je devrais quand même two-shot une araignée. Ouais, j'ai une blague. C'est pas forcément pour me désavantager, mais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un lapin. Il m'a fait peur. Allez, viens là, ma petite araignée. Tellement chiant pour les mobs. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une petite AoE aussi quand on tape. Enfin, je sais pas si vous voyez cette petite lame blanche qui apparaît quand on tape le zombie. Mais en gros, ça. Qu'est-ce qu'ils font, ces cons? Oh putain, l'araignée juste là, je l'ai pas vu. Bonjour monsieur. Le creeper. J'aimerais bien juste tuer l'araignée en fait. Là, je tapais trop vite par exemple. Du coup, elle a pris 0 dégâts. Ouais, il y a tellement de mobs, mon dieu. Allez, l'araignée, viens là. Ouh, il y a un squelette. World boss, les mecs, world boss. Ah, ça va, il y a plein d'araignées autour de moi, c'est déjà ça. Ah oui, il y en a vraiment beaucoup là, what the fuck. Hop, viens là, ma copine. Ouais, elles font des strafes bizarres maintenant, les araignées. Hein. Genre, elles passent de tous les côtés. Ficelle. Bon, j'ai un arc. Je vais pas me faire chier à farm plus que ça. Pour l'instant. Honnêtement, j'ai vraiment pas envie de me prendre les moindres dégâts. On va faire son petit arc tranquillou. De toute façon, j'ai pas assez de flèches pour me permettre de prendre tant de risques. Le cheval m'a fait peur, putain. Je pense que je ferais mieux de retourner dans la grotte, elle avait l'air bien. J'aimerais bien au moins réussir à m'enfanter, quoi. Salut mon pote, ça? Trois cœurs. Deux cœurs, voilà, parfait. Ah, par contre, oh putain, il y a le squelette, c'est vrai. Ça, c'est l'araignée qui avait plus de 10, je crois. Non, pas du tout. Non, c'est juste que j'ai tapé en fait. Allez. Nom, 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 nom. Si j'arrive à les taper en mêlée, genre les deux qui sont là, regardez. Bon, ça c'est pas fait. Il faut qu'il soit très collé, mais en gros, j'éjecte les... Ah, c'est peut-être que la hache qui fait ça, remarque, j'ai rien dit. C'est peut-être que la hache... Et pourtant, il y a l'animation. On va la regarder, vous voyez? Ils ont tous les deux pris le knockback. Au moins, ça a montré d'attaquer les mobs, c'est déjà ça. Et surtout, je vais pas aller dans le désordre, donc ça, OZEF. J'ai encore tout ça à cuire. Alors, du bois, du bois, du bois. Faut surtout pas que j'oublie le bois. J'ai tué cette araignée là quand même. Elle doit plus avoir de vie. Oh, mais il y en a plein en fait. Viens là, toi. Deux ficelles, parfait.
Pourquoi il n'attaque pas l'autre? Oh non, j'ai plein de liqueurs. Avec le lac, ça risque d'être chiant, par un moment, contre les mobs. Qu'est-ce qu'elle fait, putain, bon, tant pis. Attends, j'ai drop une autre ficelle, ouais, j'ai trois autres ficelles. On se casse. Le bouclier, ça cache vachement la vue, quand même, c'est chiant. Mais bon. On se met en F5, tout va bien. La forêt brûle, très bien. Y a pas un endroit safe où prendre des arbres, là? Clairement pas dans la Dark Forest. Moi, j'y vais pas les pieds. On va aller voir par là, du coup. Y a Flouze qui me demande si tout baigne. Donc je lui ai dit, Flouze, c'est... Merde, y a pas de slash R. Flouze, c'est le seul dans la liste, donc qui... Oh putain, mon dieu! Oh, c'est l'hécatombe! Sugar, elle est aussi un niqueur, quoi. Oh, les pauvres. Apparemment, les witches sont un peu vénères aussi, hein, en rang 9. Enderman, je vais pas les frotter, clairement pas. Bah, c'est tombé, il y a une grotte ici. On va juste prendre le maximum de bois. Il est où ce con? Il est là-haut. Non, c'est un bunny. Il est où ce con? Je l'entends, mais je le vois pas. Peut-être dans la grotte, remarque. J'aimerais bien vous montrer, en fait. Vous montrer les flèches. Il est où ce con? Il est là. Regardez. Tiens-moi dessus. Vous voyez l'animation du squelette en plus? Voilà. Donc là, je bloque toutes les flèches. Il peut faire tout ce qu'il voudra. Alors par contre, évidemment, ça défonce la durabilité du machin. Hop, on va faire ça. Donc le squelette, maintenant, il y a forcément besoin de faire ça. Sachant que si je me retourne, mon bouclier, forcément, ne lui fait plus face. Et donc forcément, je bloque pas les dégâts. Voilà. Donc maintenant, avoir un bouclier, c'est indispensable. Je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de me faire un saut. Oh, putain, j'ai failli regarder l'Enderman. Saut d'eau, il y a juste ici, parfait. Hop. J'espère avoir quelques pommes aussi. Pas juste pour le bois, quoi. Attends, c'est le lapin qui fait ce bruit, j'ai cru que c'était un zombie. Ok. Tout le monde a pris plus ou moins cher. Bon, j'ai plus Iron Man, j'ai perdu un demi-cœur. À cause du petit lag de l'araignée, là. Je suis deg. Mais bon. J'attendais vraiment pas à avoir l'Iron Man de toute façon, donc Un green est à 2 points maintenant. C'est bon, il y a le bourrage. Ou alors c'est juste des bugs d'affichage, des bugs de lumière que j'ai. Ah oui, c'est le bouclier qui fait ça, what the fuck. Donc là, évidemment, vu que j'ai une hache à la main, je peux parer avec le bouclier. Hein. Ça va se reprendre. Putain, c'est l'Enderman. Non, est-ce que c'était ce tout noir qui est passé là? J'ai failli aller voir ce que c'était, heureusement. Je peux pas regarder. Je peux prendre ça aussi. Faut faire decay l'arbre à côté. En tout cas, j'espère que, enfin, pour tous ceux qui connaissent déjà, c'est quoi ça? C'était une sabine? Attends, what the fuck, c'était bizarre sur le son. Pour tous ceux qui connaissent un peu la communauté Reddit et qui connaissent les joueurs qui sont là, bah, j'espère que ça vous fait plaisir que je fasse partie d'un RR parce que personnellement, c'est plutôt une grande fierté. Alors, pour ceux qui connaissent pas Reddit du tout et qui ne connaissent absolument pas, arrête de me pousser, toi. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout les joueurs qui sont là, et que vous allez check leur chaîne, voir le nombre d'abonnés et tout, vous allez sûrement être en mode, bah ces mecs-là ont que dalle d'abonnés, tout ça chelou que tu sois fier de jouer avec eux ou quoi que ce soit. J'adore vraiment la communauté Reddit. C'est des mecs, oh GG, oh. Pauvre Sugar. Il a 1.9 a eu raison de lui. Donc je disais, c'est vraiment une communauté extrêmement respectable que j'aime beaucoup. Et que je suis depuis pas mal de temps déjà. Faut savoir que c'est à peu près la seule communauté, enfin les seuls RR, donc Record Underground, que je regarde sur YouTube. Et c'est à peu près les seules vidéos gaming que je regarde en fait. Donc voilà. À chaque fois qu'il y en a qui me demandent qui sont mes YouTubeurs gaming préférés, etc. Parfois on me pose la question, c'est qui ton YouTuber gaming français préféré? Et je réponds, bah j'en ai pas. Parce que je ne regarde pas de YouTuber gaming français en fait. À part de temps en temps l'Incathéracide et Zerator. Franchement, je regarde vraiment personne. Mais si vous me demandez mes youtubeurs préférés, bah ils font sûrement partie de Stab, tout simplement.
Je regarde énormément les vidéos de Green, de Brick, de Enrizol. Ben voilà. Oh, quelqu'un prend des dégâts. C'est Burning qui est en train de brûler. Oh, c'est bon. J'ai cru qu'il allait brûler plus loin que ça. Putain, les lapins qui font des bruits chelous, ça me fait peur. Je sais pas avoir un peu plus de pommes là. Ça drop pas. Je crois qu'on est venu là-dedans. Non, pas du tout. Ça cache tellement la vue, ce bouclier de mort là. Je crois que le serveur lag un peu parce que. Putain, je t'ai pas regardé toi. Non, c'est bon. Ouais, on voit la lune qui fait des mini rollbacks là. Putain, les lapins font des bruits vraiment chelous. Qu'est-ce que tu veux toi? Putain. Qu'est-ce que t'as? Cochon de mort. Non. Ah non, mais écoutez, on va s'enterrer dans cette grotte. Mais en fait, est-ce que c'est une grotte déjà? Je crois que ça l'est. Ça va nulle part en fait. Oups. Bah, ça va nulle part. C'est bien de la merde. Je vais faire cuire le peu de fer que j'ai en plus là pour me refaire une pioche. Sauf si j'ai déjà assez. Non, j'ai 9 sur moi, ça va. Il faudra vraiment commencer à aller chercher du diamant. J'aurais bien aimé. Peut-être que je ferais mieux de. L'épisode n'est pas passé, hein. Non. Peut-être que je ferais mieux de chercher des poulets. Le jour se lève, donc Puis avec mon bouclier à la main, honnêtement, je risque rien. Parce qu'en gros, à part regarder un Enderman, les spiders sont facilement évitables, les zombies aussi, il n'y a que vraiment que des squelettes. Il y a des poulets, j'ai bien fait de me balader un peu. Quand j'entends un poulet, en fait, il faut que je fasse gaffe à pas toucher. Bah ça, par exemple. Ah non, j'ai pas touché. À pas toucher l'herbe avant, parce que du coup, bah ça bloque ma vitesse d'attaque. Enfin, ça compte comme si j'avais donné un coup, et du coup, bah forcément. Le coup d'après va donner 0 dégâts. Niveau d'animation chelou, là. Je crois qu'il y a quelques petits bugs d'affichage quand même. On m'a averti, on m'a dit, des fois fais gaffe, si t'as beaucoup de bugs d'affichage, il faut que tu relances entièrement Minecraft. Pas seulement des Coroco. Donc, il y a un énorme biome glace. Le spawn, c'est que de la glace. D'ailleurs, pour ceux qui auraient pas compris l'anglais éventuellement dans l'intro, en tout cas, j'ai pas précisé pendant l'épisode 1, mais y a pas de réduction de bordure. C'est un meet-up. Donc, c'est comme ça que font la plupart des erreurs, hein, des erreurs de Reddit notamment. Donc, à partir du début de l'épisode 6, on devra se rendre en 0-0. Et en 0-0, il y a un portail de laine qui sera activé. Et le meet-up se fera dans laine, tout simplement. On sera obligé de passer le portail, sauf si en chemin, bah, on croise d'autres joueurs et qu'on est obligé de les fight avant. Mais en tout cas, à partir du moment où le meet-up est annoncé, on est obligé de se diriger vers 0-0 et d'entrer dans le portail. Oh, un mineshaft! Oh oui. Je vais casser toute la neige. J'espère que pas d'araignée lumineuse à proximité. Le case pile, n'est-ce pas? Autant d'Enderman, en tout cas, autant de squelettes. Par contre, c'est un mineshaft très visible, donc faut que je m'attende à ce qu'il y ait des gens qui passent par là et qui le voient. Donc je vais devoir faire très très attention. Oh, j'ai pas Optifine, c'est vrai, putain. À chaque fois, je veux zoomer et. C'est devenu un réflexe, hein, le zoom de Optifine, vraiment. Je vais garder mon bouclier à la main pour l'instant, on sait jamais. Je me demande si ça peut bloquer. Non, je pense pas. J'allais dire, je me demande si ça peut bloquer l'empoisonnement d'une quête spider si elle m'attaque. Mais ce serait un peu trop fumé, je pense. Allez, mange! Eh putain. On va. Ça, dans un fight pour manger une pomme d'or, ça va être horrible. On va craft une autre pioche. Et on va clean un peu son inventaire là, parce que c'est le bordel. Alors, hop, hop, je vais prendre une garde évidemment. Hop. Et puis ça, on garde. Ça dégage, ça dégage. Ça, on va transformer tout ça en stick. Les œufs, pas la peine. J'ai que 7 plumes, putain. J'ai tué plus de cochons, plus de poulets, pardon. Mais... j'ai envie de voir ce qu'il y a par là. Oh putain, d'accord. Je vois rien du tout. Je crois qu'il y avait un squelette, mais en fait, il doit être en dessous.
Ouais, ok, il est en dessous définitivement. Vous voyez, je prends le moins de risques possible. Oh, je vois rien du tout. Puis alors, sans le zoom optifine, c'est un boxon, quoi. Il n'y a rien pour l'instant, mais il y en a un truc qui arrive. Bon, ça va très bien. J'ai rien trouvé la partie du main shaft où il y a les coffres, quoi. Oh, le squelette. Oh, il est au-dessus le squelette, hein. Je peux parler avec une pierre aussi normalement. Ouais, voilà. Donc c'est pas si grave s'il nous jump dessus. Il est peut-être de ce côté-là, en fait. Il doit être là, ouais. Oh, son père. Au revoir. Ok, là ça descend, c'est bien. Faudrait que je commence à réfléchir à trouver du diamant, peut-être. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bonjour, messieurs. Not today. En face des torches, on prend du charbon. Oh non, attendez, des zombies, j'aime pas du tout. Avec l'attaque speed, ça va être un enfer à tuer cette merde. Des torches. Bon, ça va, j'ai assez de charbon en fait. Bouclier, ça. Ouais, quand même, hein. Juste en vous montrant tout à l'heure, j'ai quand même gaspillé. 30 de durabilité. Donc, un poulet. Ah non, c'est un bébé zombie sur un poulet, putain. De l'or, parfait. De l'or, merci. Oh. Ouais, là-bas, c'est là où il y avait les 36 mobs que j'ai vus. Au moins, la grotte descend bien. Ok, on va chercher l'or qui est là-bas déjà. Déjà, j'ai trouvé plus d'or que dans la partie que j'ai fait l'autre jour. J'ai encore loupé la fin de l'épisode, c'est ça? Non. L'impression que ça fait déjà 1 heure qu'on a commencé, alors que pas du tout. Donc pas que je m'ennuie, hein, au contraire. Je trouve ça excitant de faire un UHC en point neuf. Enfin, c'est pas un point neuf, hein, évidemment, pour ceux qui se posent la question, c'est la dernière snapshot. Enfin, la dernière au moment où on tourne, en tout cas. Enfin, c'est pas la dernière, quoi, c'est l'avant-dernière, un truc comme ça. Va passer tranquillement. Je vais aller chercher l'or que j'avais vu là-bas. Ça a pas l'air de beaucoup descendre. Peut-être un autre endroit, mais. Ah, ici, peut-être. Ah, ici, ça descendra. On va juste aller chercher l'or avant que je l'oublie. Ah, fin de l'épisode 2, bah, on se retrouve pour l'épisode 3, les gens. Merci d'avoir suivi et à très bientôt, à dans 2 jours, c'est tous les 2 jours, hein, mais vous le savez déjà, je pense. Voilà, tchou!